Oui, donc cette activité, en tout cas, ça entre dans le cadre de la propriété. Quand nous, les hommes des médias, à chaque fois, on sensibilise les gens à rendre leur cadre de vie propre, pourquoi pas nous? Donc voilà pourquoi on s'est réunis ce jour, ce mercredi 14 août 2024, pour cette activité-là. Donc, en tout cas, on a bien commencé, on a bien terminé. Et bien aussi que vous sensibilisez à chaque fois sur les antennes et chez vous-même, c'est sale. Quelqu'un vient, il constate des saletés, ainsi de suite. Donc, voilà pourquoi on s'est réunis ce jour-là pour rendre notre cadre de vie vraiment propre, en commençant par la radio, ainsi de suite. Et je pense que les jours à venir, on va encore prolonger cette activité en nettoyant même aux alentours, ça veut dire pomper, et puis bien raser le coin là. La cour de la radio sera propre les jours à venir. Ouais, bon, il faut dire que les gens sont sortis. Si on dit les gens sont sortis, c'est pas un truc qu'on a fait en comité, mais vu l'engouement et puis vu aussi l'inspiration des jeunes, les autres qui étaient vraiment très motivés par cet acte-là, il faut dire que vraiment les gens, il y avait de l'engouement, il y avait de l'ambiance, donc un peu partout. D'autres sont quittés aussi dans la ville, et nos amis de Grain, ainsi de suite, nos connaissances aussi sont venus nous aider aussi. Donc voilà pourquoi nous sommes vraiment très contents de l'activité, très contents d'eux aussi. Et je pense qu'en tout cas, les jours à venir, ça sera bien plus que comme ça. J'appelle la population ainsi que nos auditeurs qui nous écoutent aussi à emboîter le même pas, parce que selon les agents de santé, la santé commence par la propriété. Donc si toi tu n'es pas fluide, en tout cas, tu auras la santé. Maintenant, comme si tu es sale, il faut dire aussi, même si tu n'es pas malade, couché, il faut savoir que vraiment tu es malade, puis tu es exposé aussi à des maladies. Donc cela, et on lance un appel à tout le monde, aux autres services aussi, d'emboîter le pas. C'est un acte vraiment qui est louable.